Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher le petit like, petit commentaire, vous abonner sur Instagram, vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça se passe. Sur cette vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, j'ai actuellement un garage, un local garage, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on a le sous-sol où il y aura une voiture, un petit atelier pour deux, trois petites bricoles, si vous faire des services, des trucs comme ça. Et puis j'ai encore un étage en haut. On va en faire deux étages, enfin ça fait rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage avec une petite mezzanine, un truc sympa, parce que j'ai vraiment des projets pour le premier étage. J'ai pas trop envie de vous spoiler, vous allez voir. Donc moi tout ce que je voulais vous montrer c'est un petit peu les aventures, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. Il faut savoir que ça fait quand même quelques années que c'est là, que le bois n'a pas été renouvelé, l'installation n'est pas, voilà, n'est pas toute jeune, on va dire ça comme ça. Du coup je voulais vraiment faire quelque chose de propre, carré, isolé, parce qu'il fait froid. Donc j'aimerais vraiment isoler ce garage, faire quelque chose de propre. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, partie 1, partie 2 peut-être, on verra, sur l'avancée des travaux. Donc là on est en fin de journée, donc ce que je vais vous montrer juste après, ce sera avant la fin de journée, donc le début de journée. C'est juste, je voulais faire l'intro un petit peu tranquille tout seul. Ça va être beau, j'espère. J'aimerais vraiment faire, si je peux dire, un petit studio en fait, un grand studio avec des décors, etc. Et surtout, j'aimerais amener un truc sur YouTube. Ça sert à rien que je vous en parle là, vous allez voir. C'est vrai que ça sort des voitures, mais comme ça reste dans le cadre de garage, donc ça peut être vraiment intéressant. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on reste quand même dans un cadre de l'automobile. Ce qu'il faut savoir, de base, il y avait une échelle là, donc on montait au premier étage depuis là. C'était vraiment pas pratique, c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc si vous voulez, la trappe ici, elle sera fermée. On est venu installer un putain d'escalier. Je suis vraiment trop fier de cet escalier, regardez. Téma. Juste là, on va mettre un petit établi normalement. Au mur là, on va mettre juste des étagères, il n'y aura qu'une voiture ici. Et puis on aura aussi un petit chauffage, normalement un truc à bois là, vous savez la poêle à bois là. J'aimerais bien travailler avec ça parce que c'est le truc le moins cher, ça consomme pas d'électricité, donc c'est cool. Donc je suis gagnant. Sinon pour ici, pour cet espace d'en bas, vraiment... Il y aura vraiment que la voiture, le petit espace atelier, ce sera tout. Des petites bricoles, les conneries du garage, enfin normal quoi. Mais vraiment, ce sera concentré sur ça. Si on prend cet escalier là. Alors, on arrive ici. Comme vous pouvez voir là, si vous voulez ça, c'est les trucs, les plaques anti-feu. On va les laisser parce que c'est toujours bien, vu que c'est quand même une grange plein de bois prêt à prendre feu, donc on va éviter que ça crame. Donc ça protège, c'est un feu qui se passe en bas. En fait, si vous voulez, les flammes ne montent pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce local, ici en haut, surtout sur cet étage. Si vous voulez, du coup, on a tout arraché. On a arraché tout le sol pour venir mettre du bois propre, du bois neuf. Parce qu'il faut savoir que c'était vraiment dans un mauvais état. Ça fait vraiment un moment qu'il existe ce local et du coup ça n'a pas été renouvelé. Donc moi je l'ai pris, puis j'ai décidé de faire quelque chose de propre, renouvelé. On va refaire toute la façade, vraiment un truc propre. Et puis surtout on va tout isoler. Donc le but c'est vraiment de tout isoler. Pour pouvoir avoir un lieu où on peut faire plein de choses, on peut venir boire un verre. On peut s'installer pour regarder la télé. Et puis, comme je vous disais, j'ai un projet qui va se faire ici. Donc, j'aimerais bien faire les locaux, studios, comme tu veux, PVGK. Donc, avec un petit ordi, machin, les montages, si j'ai des vidéos à tourner ici. Plus un petit truc secret. J'ai pas trop envie de vous spoiler maintenant, mais vous allez voir, ça va être vraiment un bon truc. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous laisse sur ces belles images, un peu des travaux, etc. Puis vous me dites, n'hésitez pas si ça vous intéresse de voir la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, à vous abonner sur le petit bouton rouge, venir me suivre sur Instagram, c'est très important. C'est vraiment là-bas où il y a le plus de contenu en avant-première surtout. Donc le lien sera dans la description. Prenez soin de vous. Peace.